J'en ai ma claque de ces pseudo-journalistes. Je dois me concentrer sur ce qui se passe ici. Et ça c'est une bonne chose. Bref, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Je me suis permis de prendre une petite dépanneuse. Eh, les gars, ça peut dépanner. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5. Toujours l'affaire numéro 2. On ne change pas. Obscurus traque quelque chose. Une équipe qui gagne. Sérieusement que c'est un monstre zombie particulièrement. Oh, bon, bah écoutez, les gars, on va les écraser. Moi, j'aime pas trop tergiverser avec ce genre de choses. Regardez-lui. C'est ce qui a attaqué la galerie marchande. Je vais à Westridge pour le pister. A plus tard. Attendez, Franck, dites-moi. Allô, Paula? Franck, Obscurus a tendu un piège au barrage. Ils vont le capturer là-bas. Vraiment? Ah bah faut que je vois ça. À plus tard. Attendez, Franck, dites-moi. Alors, le coup de la dépanneuse, bien connu dans l'Ohio. Bref, il s'est passé énormément de choses et j'ai pas pu en placer une. Parce que tout le monde parle, c'est terrible, tout le monde parle. Personne ne me laisse tranquille, comme on dit. Donc, j'espère que vous allez bien pour commencer. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5. Et on va essayer de la faire sans cut non plus. Parce que j'ai vu que dès que je fais des cuts, on me chie littéralement à la gueule. C'est sympa cette petite arme. Ah! Lâche-moi, Pépito! Ah! C'est rien, c'est qu'une morsure. Eh oui, putain, merde, tu vas crever! Attendez, c'est le moment de l'essayer. Waouh! Gros, t'es parti dans quel univers là? Parce que. Il est parti dans un univers parallèle, même moi j'étais pas prêt. Plutôt efficace, hein, plutôt efficace. On va la garder cette arme. On va ouvrir, il y a peut-être quelque chose de super intéressant. Désolé si vous entendez mon incroyable téléphone, les gars. Je sais, j'ai beaucoup trop d'amis et c'est hyper chiant. Ah, dans la vie du quotidien, c'est pas facile. Ah, voilà, énormément. Ça ne s'arrête plus. Ah, lâche-moi, Pépitas. Oh putain, mais c'est sa femme. Ah non, c'est pas vrai. Oh, ça va aussi, les gars. Ça va. Tranquille. On va reprendre la dépanneuse. Donc, je sais même plus où on en est, ce que j'ai dit. On se retrouve pour l'épisode 5. Là, ça devient chiant, par contre. Là, ça devient chiant. On se retrouve pour l'épisode 5. Voilà, on va le faire en ordre. Toujours l'affaire numéro 2. Direction l'affaire numéro 3. Hein, j'espère que vous suivez. Et on va parler... Là, c'est chiant. Là, c'est genre réellement chiant. Attendez, je me permets juste... Vous savez quoi? On va faire un cut. C'est pour insulter des mères. Voilà. Remessieurs, j'ai insulté 2-3 mères. C'est chiant. C'est chiant parce que quand une personne veut te dire une phrase et qu'elle commence à raconter sa vie et en plusieurs SMS, c'est frustrant, tu vois ce que je veux dire? C'est limite pour te souhaiter bonne année, ça va prendre 4 SMS à la personne. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, on va reparler un petit peu de l'épisode précédent. Oh là là, il s'en est passé des choses à l'épisode précédent, les potes. Il s'est passé des choses terribles. On avait parlé des postes bleus. Et à ma grande surprise, réellement, hein, je ne vais pas faire le gars surpris qui a gagné 1 million de dollars sans le savoir. À ma grande surprise, vous avez été tous très gentils. Vous avez tous été des amours. Il y a eu masse post bleu. Alors pourtant, il n'y avait pas d'expérience sociale. Tu vois ce que je veux dire? Aucune expérience sociale derrière. Mais il y avait masse pouce bleu. Alors attendez, parce que je fais de la merde et au final, frère, on sait plus où on va, on sait plus où on est, on sait plus comment on s'appelle. Ok, faut aller à droite. Ouais. Ok, on y va. Normalement, je sais par où faut passer. Donc, merci à tous infiniment. C'est un épisode comme ça, en plein milieu d'un let's play qui atteint 10 000 pouces bleus. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, je vais être très franc avec vous. C'est pas avec 10K pouces bleus qu'on va être en top tendance. Mais dans mon cœur, on l'est, les potes. Dans mon cœur, on est clairement en top tendance. Parce que, oui, ceux qui demandent des pouces bleus à chaque début de vidéo, ils vont atteindre du 30K pouces bleus, 20, 40K. Nous, on est 10K. J'ai quasi rien demandé, franchement. Et vous l'avez fait, donc un grand merci à vous. Moi, ça me va, les gars. Je demande pas plus. Franchement, je demande pas plus. Ça me va, c'est impeccable. Restez comme vous êtes, surtout, c'est le principal. Si vous aimez une vidéo, dites-le. Allez dans votre cour tout nu. Allez voir vos parents tout nu avec le zizi à l'air. Et dites-le que vous aimez la vidéo et que c'est cool et que vous avez mis un pouce bleu. Et sinon, ça me suffit. Pas besoin de plus. J'ai retrouvé une dépanneuse et ça fait plaisir. Dégagez! Et la tête de ma mère. Voilà, toi, c'est toi qui as pris pour les autres. Voilà, hop, voilà, je me suis même permis, grâce à un coup de pied incroyable, de casser la vitre. On va par où? Je suis totalement perdu. Putain, mais c'est terrible. On va par là? Ah non, on va pas par là. Hein. Non, c'est bien derrière qu'il faut aller. Ça prend le sens de la caméra. Oh, c'est terrible. Va faire des créneaux avec autant de monde dans sous tes roues. C'est chiant. Allez, dégagez, les gars. Ah, 4 points d'expérience à mettre. Oh, putain, on va le faire. Ça, normalement, c'est par là. Normalement,
ensuite c'est à droite. Ah désolé, je me suis perdu en ville, donc oui, on peut le dire, 5 minutes de vidéo ont été totalement perdues dans les oubliettes. Mais, j'en ai le hockey, voilà. Mais, c'est pas bien grave, au moins vous voyez des membres et des gens qui volent, et ça c'est terrible. Hein ? C'est terrible si je peux pas passer en dépanneuse. Ah si, toujours un petit moyen. Oh, écoutez cette musique. Petite musique de Noël. Oh putain, c'est le kiff. C'est le kiff. T'entends quand même, entre temps, des... Tu vois, des zombies qui passent sous tes roues, et le mec, il kiffe la musique de Noël qui est passée. Bref, on est parti, les gars. On continue, rendez-vous à Race Ridge. Donc, une nouvelle ville. Va falloir faire péter tout ça ou quoi? Moi, je fais péter ma gueule. Hein. Attendez, on va y aller. Merde! Je les ai perdus. Ah, bon sang. Presque. Voilà. Que venez-vous faire ici? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez ici, l'artiste? Non mais ça veut dire quoi, votre question? Qu'est-ce que je fais ici? Ces pecnos m'ont drogué et traîné jusqu'ici, j'avais rien demandé! Vous êtes photographe? Ouais, je bosse pour National Geographic. On m'a envoyé photographier la vermine qui sévit dans le coin. Et bingo! Je vous ai trouvé! Super. Deux. Pas de vivres, mais il nous envoie deux foutus journalistes. Oh là, attendez. Vic, elle était là? C'est votre collègue? Pas vraiment, mais je suis un peu son professeur. Vous avez de l'influence sur elle? En théorie, oui. Écoutez, il n'y a que des citoyens bons et honnêtes ici. Avant ça, j'étais fermier. Les autres, plombiers, commissaires-priseurs, bouchers... À présent, on est soldats, Franck! Le monde n'est plus le même. Pour rester à Willamette et prendre de belles photos, vous devrez devenir soldat vous aussi. Mon soldat. Cette salope de Vic. Je l'ai recrutée. J'ai partagé nos ressources avec elle. Et ça a été des questions à l'appel. Elle voulait tout savoir de nos raids contre ces salons de militaires. Quoi, où, combien d'armes on emportait. Je la croyais de notre côté. Je la croyais de notre côté, du coup. Mes gars se retrouvent là-bas, coincés dans une putain d'embuscade, parce qu'ils savaient qu'on arrivait. Ok, je saisis le problème. Je vais m'occuper de Vic, d'accord? Mais j'aurais besoin d'un service en échange. Comme tout le monde. Je dois entrer dans ce barrage. Ah. Non, écoutez. Ces types, ils manigancent quelque chose. Je dois découvrir de quoi il s'agit. Mmh. Ouais. Franck. La seule qui saurait comment entrer dans ce barrage, c'est Amanda, mon ingénieure. Elle était en charge du raid, celui pour lequel votre copine nous a poignardé dans le dos. Écoutez, je suis votre meilleure chance, ok? Laissez-moi aller m'occuper de ça. Je sais pas. Bon, ok. Mais hé... Vous n'avez pas intérêt à merder, West. Vous êtes des nôtres, maintenant. Mettez-le au parfum. D'accord. J'ai des frères tous les jours que je découvre. Faut qu'on parle. Ok, on va aller parler à Isaac. Alors, quand même... Je suis le seul qui a été choqué par le Renoir avec une perruque cousin blonde tu n'as jamais vu ça de ta vie. C'était terrible. On est parti, alors il y a un saut, c'est pas intéressant, on va parler au frérot, dis-moi tout. Écoute, c'est quoi l'histoire? Amanda a emmené quelques gars au collège de Willamette. Obscuris les a coincés.
Y a pas eu encore d'échange de tirs, mais ça ne saurait tarder. Je pige pas. Pourquoi prendre le risque de vous attaquer à eux? Vous avez pas d'autre moyen de vous ravitailler? Tom veut faire passer un message. C'est l'impression que j'avais. Écoutez, Amande est compétente, mais elle tiendra pas longtemps. Vous devriez vous dépêcher. Autrement, c'est de vous que Tom s'occupera ensuite. Compris? Ok, je fonce au collège de Willamette. Est-ce que tu veux voir ma clé de 16, Isaac? Allez, on doit trouver Hammond. On va aller le chercher, les gars. Là n'est pas le problème. Mais alors, je suis où, moi, dans tout ce merdier? Ah, d'accord, petit village. Petite ville, pardon. Non, enfin, plus un village, d'ailleurs. Ok, c'est un peu isolé. C'est très sympa. Très sympa, l'ambiance, ici. Donc, on découvre qu'il y a des petites villes isolées. C'est cool. J'ai besoin d'un bain. T'as besoin d'un bain? Bah, va te laver, ma soeur. Ça pue à 4 km, c'est dégueulasse. Fais un effort, putain. Ah, oh là. Voilà. Voilà. Oh, c'est les couronnes, nul. Allez, nul, nul, il y en a un plan, je dis pas. Ou bien c'est moi qui vous bute. Oh, un assommoir. Je peux le combiner avec quoi, déjà? Un truc explosif, me semble-t-il, non? J'arrive pas à croire que ça marche. Assommoir acide. Nickel, on s'est fait un nouveau truc. Ça, c'est plutôt cool. Ok, les mecs, on arrête les conneries, on continue. Direction Hammond. Oh, il y a pas mal de gens. Vivian, Stewart. Est-ce que par hasard... Ah, ferme. Ça fait gagner des points de découvrir des nouveaux lieux, hein. Donc toujours cool de se balader à gauche, à droite. Ok, rien de fou. Ah, attendez, vous savez quoi? Petite pomme gratuite. Je dis pas non, par contre. Je dis pas non. Eh, une chapka. Oh, ouais. Là, je suis cool. J'étais stylé, hein, quand même, hein, les mecs, hein. De toute façon, je dois changer de fringue. Nouvel épisode, forcément, on n'a pas le choix. Bon, direction chez Hammond. Nettoyer le refuge. Tiens, il y a un refuge à 124 mètres, c'est plutôt intéressant. On va y aller de ce pas. J'ai 5 points de compétence. Première fois qu'on en a autant, donc on va se les attribuer aussi. Et on va nettoyer le refuge. On va aller voir Hammond en attendant, le temps d'aller jusqu'au refuge. On va discuter. Et voilà, on va reparler donc de tout ce qu'on s'est dit auparavant. Un grand merci à vous de suivre ce Dead Rising 4. Ça fait extrêmement plaisir, déjà, ce jeu étant totalement dingue. Anthony, tu vas mourir. Tête de ma mère, Anthony, je vais t'arracher. Ah, t'as de la chance, c'est ouvert sur le côté. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est, les gars, c'est la pire protection que vous aviez eue. On va essayer ça vite fait, tiens, sur toi, tu es l'élu. Ah, c'est pas mal. Ça a son petit effet, ça a son petit charme, j'aime bien. J'essaie de vous contacter depuis des heures. Paula ? Je suis toujours sans nouvelles de Darcy. Est-ce qu'il le torturait pour obtenir des informations ? Pourquoi ? Il sait quelque chose ? Je suis pas trop. Écoutez, j'ai un autre problème à régler là. Je vous rappelle plus tard. Allez, hop, voilà, on est garé, gros, on s'en bat les couilles. Yo les mecs! Ah d'accord, très bien. Le mec il prend quand même le temps de fermer la porte alors que la voiture est en marche arrière. Je préfère, ouais, c'est vrai que je préfère rider un petit peu. 48 mètres, attendez, vous me faites peur là. Comment je rentre là-dedans? Ah, il y a des bus scolaires. Ça c'est un refuge intéressant. Alors là les mecs, je vous le dis direct, on va devoir s'équiper. On va prendre l'épée de feu. On va prendre l'épée de feu parce que là ça va tabasse. Va y avoir des néo-zombies. On va nettoyer ce qu'on fait. Wouah ! Comme ça, d'entrée de jeu ! Allez, hop, dégagé. On m'appelle Highlander dans le métier. Donc, qui dit refuge ? Alors, on va essayer de faire zéro cut. Hormis, bien évidemment, si quelqu'un me renvoie à peu près 900 SMS. On va essayer de faire zéro cut. Et donc, au premier refuge, je ne le savais pas. J'avais perdu énormément de temps. Mais si vous avez le jeu à Noël, sachez que il y a un étage. Voilà, c'est des refuges à étage à chaque fois. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes. Le mec qui a construit... Oh, il y a un mec, il était en train de soulever au calme. Il y a Thibaut Inchep, là. Il était en train de soulever. Gros, il s'est fait arracher. Il s'est fait enculer comme jamais. Comme quoi, vous voyez, allez à la salle, soyez sûrs de vous, les mecs. Hein. En cas d'infection zombie, t'es pas bien. Ok, on va tuer le dernier. Enfin, le dernier de cet étage. Non, c'est bon. Ah bah, il n'y a pas d'étage, là. Oh, j'ai été mauvaise langue. Oh, c'est terrible, j'ai été mauvaise langue. Ok, 6 points de compétence à s'attribuer. C'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Qu'est-ce qu'on va prendre comme amont? On va prendre ça. J'attends, je garde la tronçonneuse parce que. Je sens qu'on va pouvoir la combiner bientôt. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, le marchand. Pour les. La vente de. Comment on appelle ça? Non, pas l'armurier. Vous savez, la vente de plans. Ah, marchand de véhicules. Gros, le gars, il vend des caravanes, c'est pas où il les a. Marchand de lieux, c'est ça, il me semble. Yes, c'est ça. Carte. D'accord. Carte des plans, c'est bien ça? Carte de tous les plans. On n'est jamais trop prudent. Ok. Bonne chose de fait. Donc, j'ai la carte de tous les plans, c'est plutôt cool. On va s'attribuer de suite nos points de compétence. Ah bah, vous savez que j'en ai pas mal à chaque nouvel épisode, et c'est vrai que c'est le moment un petit peu chiant pour certains. Il y en a qui préfèrent voir du découpage, mais
Il faut sup, il faut devenir toujours plus fort, toujours plus rapide. Rapide, vif comme l'éclair, parce que ça permet, permet de faire des trucs totalement dingues. Améliore la vitesse et la réactivité de l'esquive. Ça, j'aime pas trop, hein. Je vous avoue que j'aime pas trop. Augmente l'endurance encore, et ça, c'est augmente la vie. On va augmenter la vie, on va pas faire les vars creux. Et on va augmenter l'endurance. Non, 25%, on est pas mal, là. Pourquoi je peux pas encore aller à droite? Ah, niveau 25, Sugoi. Ah, d'accord, donc de toute façon, vous avez vu, il nous force. Voilà, il nous force. En cassant des objets destructibles dans le monde, vous avez maintenant des chances de récupérer de la ferraille, donc de l'argent, vous l'aurez compris. Augmente le délai de réinitialisation du compteur de coups. Ça, c'est pas mal pour faire des combos, sortir des combos beaucoup plus rapidement. Ajoute un emplacement à l'inventaire de corps à corps. Ça, c'est pas mal. Un soin de plus, du corps à corps en plus. Quand vous détruisez, quand vous construisez, pardon, un objet combo, vous avez des chances de générer de la ferraille. Pas ouf. Augmente la vitesse et l'efficacité des éliminations furtives. J'ai pas trouvé ça ouf non plus. En cassant des objets destructibles dans le monde, ouais, bon, on est pas mal. C'est en tir et en bagarre qu'il va falloir s'améliorer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Augmente l'efficacité éco-critique avec des armes de glace. Ah, j'en avais une. Augmente légèrement, ah, les véhicules. C'est pas mal, ça. Réduit le ralentissement des véhicules lorsque vous traversez un groupe d'ennemis. Ça aussi, c'est pas mal. On est pas mal, je suis assez fier de moi, les gars. On s'est bien amélioré. On s'est bien up comme il faut. On a plus de vie. On a le sexe ultra développé, donc ça, c'est vraiment cool. Est-ce que par hasard, hop, on va reprendre toujours avoir des produits chimiques sur soi. Bon, la chaise de bureau, on va l'oublier. Attendez, hein, je fais un petit peu le tour, vite fait, des pièces. Il y a peut-être des choses intéressantes. Vous allez quand même pas repartir les mains vides. Hop, me raconte pas ta vie, gros. C'est pas toi que je... Oh, qu'est-ce que c'est? Yeah, bébé. C'est bon, ça. J'ai une nouvelle clé. La résidence des patriotes. Tiens, on va ouvrir tout ça. On va ouvrir tout ça, voir ce qu'il y a. Ok, qu'est-ce que c'est? Une épée adorateur. Alors, ça, il faut que je retrouve impérativement de l'azote liquide. Parce que l'épée, elle est ouf. Et l'azote liquide est ici. Oh, yes! Yes! On se refait notre épée de glace! Oh, je suis content! Je suis content! Là, c'est bien, on a suffisamment de combos pour faire des trucs vraiment sympas. On peut se cassos. Bon, on va récupérer un véhicule. On reprend notre mission principale. Et puis, tout va bien se passer, normalement. Y a pas de véhicule, je peux pas prendre un bus scolaire, ça aurait été génial. Tu prends un bus scolaire, tu fais monter des zombies dedans, et puis, hé, qu'est-ce qu'on rigole comme ça. Y a toujours mon véhicule? Nickel, toujours mon véhicule. A noter que je me suis quand même relativement bien garé. C'est parti! On prend le véhicule tout terrain. Donc normalement, mon véhicule est bien plus résistant. Je suis beaucoup moins ralenti en écrasant les gens. Oui, c'est vrai, ça fonctionne. On sent que je suis pas beaucoup ralenti. Ah! On dirait que quelqu'un a ouvert le feu. Ok, il y a un point à droite. Ingénieur, j'ai besoin de toi. Il y a Amanda à côté. Mm-hmm. Vous savez quoi? On va aller voir Amanda. On va aller voir Amanda parce que je sais pas trop ce qu'il va nous proposer. D'accord, eux ils font des tentes. Très bien, ils font des tentes qui bouchent les passages. Vous êtes bons les gars. Attendez, je fais... Ah! Mais quoi? Je prends des balles à... Oh là là, mais c'est terrible! Je prends des balles à travers! Amanda! Remets-nous des glaçons! T'es où? J'arrive frérot Amanda! Ok, c'est bon, il y a un plan là-haut. Attends-moi, Amanda, je vais chercher un plan. Aïe! Les mecs, vous êtes sérieux? Ah! Les gars! Laissez-moi tranquille! Il est où le plan? Ouais, c'est pas un... Il est où le plan? Les gars, je veux le plan. Je veux le plan, il est censé être ici. Les gars, attendez, je regarde. C'est terrible. Le plan. Ah! Aïe! Pourquoi vous faites ça, messieurs? Je veux le plan! Il y a un plan par ici, mais où? Ok, toi, je vais t'enculer. Allez! Hop, ça dégage. Highlander, tu connais? Bah, c'est pas moi, mon pote. C'est pas moi. Moi, je coupe pas de tête. Mais par contre, je t'encule comme il faut. Ok, on va récupérer le kit de soins. Ok, le plan, je sais pas où il est. Suivez Amanda. Frank West, ouais, mais putain, photojournaliste. Je veux ce putain de plan. Vous savez quoi? On reviendra. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Mais je prends des balles d'où? Les gars! Quelle est cette funéraillerie? Ces gars ont besoin de soins! Vous pouvez tenir Obscurus à distance? Pas de problème! Prenez-vous pour Florence Nightingale, je serai Rambo! Et quand ça sera fini, on pourra échanger! Vous préférez pas que je vous sois juste redevable? D'accord. Butez les Obscurus! Très bien. Mais alors je prenais des balles d'où? On peut m'expliquer, n'est-ce pas? Nous allons nous défendre. Quoi? Merde!
quoi? Oh putain, il a esquivé cet enfoiré. Vous êtes où, bande de salopes? Est-ce que je peux me baisser? Ah non, je peux changer d'épaule en faisant ça. Parce que et là, je peux pas tirer baisser. Allez, ça dégage. D'autres ennemis à 12h. Enfin, je crois. 12h. Ok. C'est où 12h, les gars? J'ai pas de boussole, j'ai rien affiché. Voilà. Désolé si des fois la sensi part en couille, je sais pas. Je crois que c'est ma manette, elle est cassée. Quelqu'un a cassé ma manette, je ne sais pas. En pleine nuit, quelqu'un est rentré. Hein? Soldat en exosquelette? Genre sérieusement, les mecs? Voilà notre ennemi. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Quoi? T'es fou? Quoi? Mais c'est qui ça? Je peux pas le tuer? Oh quoi? Oh Dieu merci! J'ai tué? Bien! Faut absolument bander ça. Très bien. Vous savez vous débrouiller. Ouais, j'ai déjà couvert quelques guerres. Ah bon? Lesquelles? Ben, en fait, Tom m'a dit que vous aviez accès au barrage. Ah, Tom, ouais. Ouais. Les clés de la ville. Sur le côté du barrage, il y a une porte de service. Ça devrait marcher. Vous aviez les clés de la ville? Avant que tout parte en couille, j'étais ingénieur en chef de la ville. Je connais ce patelin presque comme ma poche. Oh. Et vous allez me les donner comme ça? Ouais, j'ai parlé à Vic. Elle dit que vous avez vu la première épidémie. Ouais, je l'ai vue de près. Elle vous a dit autre chose? Ouais, elle en avait à dire sur vous. Je vois. Mais changeons de sujet. Oh ouais, attendez! Mes gars sont blessés, il faut les ramener auprès de Tom. Ah, désolé de rien pouvoir faire. J'ai des choses à régler. Oh. C'est vraiment un enfoiré. Bah bien sûr, on change pas une équipe qui gagne. Bon, ce plan est stressant quand même. Hein. En gros, c'est un plan qui vient tout droit des enfers. Il y a une grenade incapacitante et un pistolet. Je suppose que c'était un plan qui était en relation avec ça, mais alors pourquoi je ne le vois pas? Est-ce qu'il serait pas par hasard juste tout simplement caché dans ces hauts lieux de l'enfer? Ces hauts lieux des ténèbres? Fusil d'assaut. Mm-hmm. Je vais prendre le fusil d'assaut. Toujours bon d'avoir... Oh non, c'est mieux ça. Oh, oh ouais bébé, ça c'est bien mieux. Ouais, peut-être là-dedans? Non, sinon je l'aurais vu. Putain mais c'est terrible messieurs. Est-ce qu'il peut être en hauteur? Je tire dedans, il tombe. Je sais pas, hein, je dis de la merde, mais bon, on est bien d'accord là-dessus. On peut pas rentrer là-dedans. Ok. Bon, écoutez, en soi, je sais pas. En soi, j'ai pas... Dites-moi si vous avez trouvé ce fichu plan. Peut-être qu'il n'apparaît... Il a pas pop. Voilà, il a pas pop. C'est un plan qui ne pop pas, je ne sais pas. Ah, je... Oh, oh, les gars. Oh, putain, la peur. J'étais bloqué dans un centimètre de neige. C'était terrible. Je voyais déjà la fin arriver. Bon, c'est parti, les gars. Direction notre prochain objectif. Ouais, j'ai été pris dans une histoire. Tom Picton, vous connaissez? Un éleveur de vaches du coin, il mène la résistance. Quelqu'un de son groupe, Hammond, va m'aider à entrer dans le barrage où Obscurus a tendu un piège aux monstres. Intéressant. Je vais surveiller leur canot radio pour voir ce qui se passe. Ça m'aiderait grandement, Brad, merci. D'accord, donc entrer dans le barrage, on va le faire. Ça, c'est pas un putain de problème. Par contre, les mecs... Attends. J'ai fait quoi? Quoi? C'est terrible ici! Merci du coup de main! Ah bah il va mourir! Oh non, c'est bon, elle met des petites patates! Oh, il y a un petit refuge! Et un plan! Casque mitrailleur! Il faut casse-noix! Et une mitraillette! C'est énorme! Attends. Est-ce que le casse-noix, je peux pas le récupérer là-dedans? Yes, je l'ai! Ah, c'est énorme! Ok les mecs! Casque mitrailleur, je ne sais pas c'est quoi! Quoi? Oh, c'est trop stylé! Oh, je le garde! Je le garde, il est génial! J'adore! Bon, eh, ça valait le coup, finalement, de venir. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ici? On a des fusils d'assaut. Encore en veux-tu, en voilà. Pas intéressant. Pistolet. Oh, 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 matez-moi ça. Attends, sérieux, toi? Putain, gros! Lâche-moi! Non! Non! Voilà! Ah, oh, c'est terrible.
Hop, c'était... Je suis obligé de le faire au point américain. Ils m'ont fait lâcher mon épée, putain, qui est terrible d'ailleurs. Meilleure épée du monde. Ok, on est bon. On est bon, on peut se casser. Ah, c'est chiant hein, quand t'as des zombies à côté qui t'empêchent de prendre tout ce que tu veux. Donc, là, par exemple, c'était dans une zone. C'est très bizarre, hein. C'est très bizarre. On va prendre mon véhicule. J'étais pas garé ici, hein. On s'est foutu de ma gueule, là, par contre. Quelqu'un m'a garé pendant que je suis parti faire une mission. Qu'est-ce que ces conneries? On est parti entrer dans le barrage. Parce qu'on parle du barrage. On parle du chauffage... Du chauffage. On parle du barrage, pardon, depuis à peu près 30 décennies. Ça serait bien qu'on y arrive. J'ai un point à m'attribuer. Ça serait bien qu'on m'attribue aussi. Bientôt niveau 25, je vais pouvoir encore m'évoluer. Est-ce que je suis par le bon chemin, là? Attendez. Oh, tous les plans qu'il y a, c'est bon ça. Il faut que je fasse le refuge d'ici pour avoir tous les plans. Ça serait pas mal non plus. D'accord? Il faut que je fasse un refuge pour parler à un vendeur. Ça serait cool. Donc, Franck, je viens d'obtenir les résultats d'analyse. Cette épidémie résiste aux vaccins et aux ombrex. Bordel! C'est une nouvelle souche? Une ancienne. Celle de Santa Cabeza. Alors vous faites pas mordre. C'était pas dans mes intentions. Hop! Oh, c'est un tout-terrain, hein. D'accord. Ouais, c'est où là par contre? Attendez, il y a une mission qui vient de s'afficher à côté là. Il y a une mission qui vient de s'afficher à côté, mais où? Je vois pas. Je vois pas pour le moment. Donc, nouveau virus. Ça, c'est intéressant. Comme c'est intéressant, attendez, bougez pas. C'est terrible de regarder le plan à chaque fois. C'est par ici. Donc, nouveau virus et le Zombrex ne sert plus à rien. C'est peut-être ça qu'ils étudiaient. Ou alors ils étaient... Moi je pense qu'ils ont créé un virus, je vous le dis, pour rendre les zombies, redonner aux zombies leur côté humain. C'est dégueulasse, en soi, on est bien d'accord là-dessus. Mais je pense que c'est ce qu'ils ont étudié. Calme-toi, oh là, doucement petit. Alors ça par contre, voilà, Frank West, une fois sur deux, il veut... Non ? Hop. Voilà, tu es mort. Ok, là ils vont me gâter. Regardez ça, ils vont me gâter. Vous êtes prêts ? Allez mon pote, voiture à l'ancienne. Et ben voilà. Hop, regardez ça. On va découper comme jamais. Commando cryogénique, c'est fait. Mais arrête, non, t'abuses gros. Tu m'as pas laissé, allez dégage. Tu m'as pas laissé le temps pour faire. Ah, dégagez, s'il vous plaît, excusez-moi. Poussez-moi, excusez-vous, allez c'est parti. Ok, là j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Attendez. Ah d'accord, c'est bien ça que je voulais. D'accord, à part mettre de la neige, on a autre chose. Ah bah voilà, on s'est des boules de neige. Ça vaut le coup ça. Bon les gars, je prends des raccourcis. La mort et la gloire. Il a une voix, je sais plus c'est quel doubleur qu'il utilise. Pourquoi c'est quoi? Ça tue au moins, mais ça tue pas mes boules de neige. Si, ça a l'air de tuer. Désolé, j'ai du mal à manier ce véhicule. Ce véhicule qu'on va vite abandonner d'ailleurs. Il m'a bien saoulé. Merde, c'est pas par ici. Oh putain, c'est terrible. C'était à gauche, messieurs. Pourquoi il y a des roues en haut? En haut de mon véhicule. Ah, d'accord. Ok. Il y a une courroie qui permet justement d'envoyer les boules de neige. Ah, c'est réfléchi leur truc, hein. Ah, ils ont réfléchi. C'est sûr qu'il y a eu des développeurs derrière, ouais. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Voyons quelle preuve ils cachent là-dedans. Hop, on arrache tout. On s'en bat les couilles. Ok. Yo les gars. Hop. Hop. Putain, ils m'ont enculé. Ah, je suis désolé d'employer ces termes, mais là, ils m'ont déchiré, les mecs. Allez, hop, ça. Ça dégage. Putain, c'est stylé, hein, c'est bien fait. Franchement, les gars, quand il y a comme ça autant d'animations, ça fait vraiment plaisir, tu vois ce que je veux dire. Ah, on va prendre ça. Azote liquide. On va garder de l'azote liquide. Si on trouve une épée, c'est plutôt fresh. Ok, c'est parti. Hop, on va rester à l'épée. Y a pas une épée. Tiens, d'ailleurs, bougez pas. Oh. Clé de casier de Willamette de la centrale hydroélectrique. C'est-à-dire pas loin. Parce qu'on y est. On y est dans cette centrale hydroélectrique. On est dans le barrage. Quoi? Quelqu'un? Qui est là? Je vous vois pas là. Y a une lampe dans le coin. Allumez! C'est quoi ces conneries? Yo! Intéressant! D'accord. Allumez la lumière. Non! C'est terrible! Remets cette chaise en place tout de suite, Franck. Ok, c'est bon. Je vais allumer, frérot.
Franck. D'accord. Bon, on va récupérer la trousse médicale. Je suppose qu'il va falloir mener l'enquête une fois libéré. Yo, frère. Hey, Darcy, comment ça va? Tu serais pas dans le pétrin, là? Vous êtes venu me sauver? Vous êtes vraiment le sauveur de Willamette? Vous avez inventé ça avec Paula ou il y a un culte que je dois diriger quelque part? Non. Les gars d'Obscurus paniquent à cause du monstre. Ils doivent savoir un truc sur lui. Un truc que nous, on ignore. Ouais, tu vois, c'est un sous-traitant de l'armée avec des fonds importants. Alors que toi, t'écris pour le blog de ta copine. Il doit y avoir quelque chose d'utile ici. C'est une salle de briefing, je crois. Détachez-moi! Non, contente-toi de reprendre des forces. Je m'occupe de ça. D'accord. Explorer le barrage. Alors, en plus de l'explorer, les potes, donc de mener l'enquête, ce qu'on va faire au prochain épisode, on va aller de l'autre côté parce que il y a quelque chose à déverrouiller. J'ai eu les clés. Et là, regardez en bas à droite, on voit sur le plan que c'est de l'autre côté du mur. Donc, on va faire ça lors du prochain épisode. Bref, les amis, je vous fais des bisous et je vous dis portez-vous bien. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. À la prochaine. Ciao, ciao.